لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله رب العالمين Zoin dans nos classes, dans nos leçons. Allah Rabbul Alamin fait kouboul nos présences, li fait kouboul nos efforts qui nous fin faire. Un semestre infini, et tout ban qui fin faire, zot tout qui fait efforts, zot mérite pour être félicité, zot mérite nos moubarak badi. Allah Ta'ala donne tawfiq encore pour continuer à faire efforts jusqu'à ce qu'il s'accoule à terminer, Inch'Allah. Alors, nouveau semestre, nouveau sujet, nous pouvons ensemble, Inch'Allah, nous là pour faciliter l'apprentissage de ce nouveau sujet qui peut-être pour beaucoup parmi vous, c'est un sujet qui, première fois, on peut étudier. Malheureusement, Ahlus Sunna wal Jama'a pas donne ce sujet-là l'importance qu'il est besoin, qu'il est mérité. Et à ce moment-là, nous pouvons vivre dans l'époque comme ça, qui bien tigit alim, bien tigit alim, c'est un expert dans le domaine science hadith. Et mon bien dire où bien tigit alim, mon pas cause man fausse, pas pe cause man a déjà pas connu même. Mais parmi man ulama, bien tigit ulama qui maîtrise sa science là comme a besoin. Et sa science-là, nous pouvons étudier aujourd'hui, nous pouvons essayer d'introduire l'île et sur l'importance, nous pouvons présenter devant vous. Vous pouvez trouver qu'il est tellement important, sans ça, nous ne sommes pas capables de faire le travail digne. C'est-à-dire, dawa, combattre contre fausseté, c'est difficile ou bien c'est impossible sans ça. Tout le temps, vous pouvez dépendre les uns des autres, vous ne pouvez pas capable de faire un travail par vous-même, sans science hadith. Bon, normalement, j'ai un message qui, moi, me supposait faire Urdu, me supposait faire Arbaoun, 40 hadith de Imam An-Nawawi, et me supposait faire Introduction to the Science of Hadith. Mais seulement là, nous ne changeons pas. Nous ne changeons pas. Qui nous change? Urdu nous fait maintenir. Oustad, in download. Pour continuer à faire Urdu, nous pas pour faire l'examen, comment nous pouvons faire un semestre passé, et pour continuer pareil, pour un assignment et assignment, vous connaissez très bien comment il était. Ce n'est pas un assignment qui, comment dire, pour bien casser la tête. C'est pour certains bon frères, bon sœurs qui ont envie d'apprendre Urdu et qui ont jeté un accès, surtout bon imam. Il y a beaucoup d'imams qui viennent apprendre ici et qui ont jeté. Je gagne un livre Urdu, je service ça pour préparer, je taqrir, tout ça là. Donc, pour banna, je gagne cette facilité. Et les restes des élèves capables de comprendre un petit peu Urdu. Alors, après Maghrib, ça l'est là, nous pouvons faire nos Urdu comme d'habitude. Et j'espère que le semestre dernier, je ne vais pas mettre un fardeau dans le Urdu tient un fardeau dans le non. Nous pas pour faire classe test, non, rien pour un assignment. Alors, vous faites un assignment, la case où vous deux assignments pour vous, c'est tout. Urdu pour faire au stade, in the load, pour faire Urdu, donc au stade sur l'autre, nous pouvons bien faire Urdu. Arbaoun de Imam Nawawi, je suis supposé faire, mais dernière l'air, nous avons décidé, je pas pour faire Arbaoun de Imam Nawawi. Sa raison, c'est ça. Comme on finit faire Urdu avec vous là, après Maghrib et samedi, mon cours commençait 2h15 à 4h. Moi, j'ai dit ce temps, les temps. Et samedi, comment dire, expérience ça avec mes élèves, depuis grand matin, je disais à Banatila, quand il arrive 2h15, vous connaissez où hein? Et pas pour facile, comment dire, je crame tout et je fais trois sujets, 30 minutes. Moi, je suis capable d'expliquer parce que moi, je suis fraîche comme je sorti de la case, je suis. Moi, vite, mon bat ça, vite, moi, aller. Mais, ou pas pour capable de retenir tout ça. Alors, ce qui m'a pour faire Arbaoun de Imam Nawawi, ça c'est, vous pouvez étudier ça après, parce qu'il y concerne, tout ce qu'il y a, il y concerne, c'est un hadith.
qui surtout cause le spiritual purification, là où déjà un achète mouafak qui pour enseigner al-kabaïr, à l'hôtesse qui a fait des affaires, arbaoun pour venir après, moi ce qui m'a fait dans sa une heure de temps, m'a pour introduire science of hadith. Pour qui faire? Pour qui veut dire next year, troisième semestre, quand nous pouvons prendre le livre de Hafiz ibn Hajar Asqalani. C'est un livre, Nukhbatul Fikar, dans Mustalahul Hadith. C'est un livre, comment dire, quand on commence à apprendre science of Hadith, on apprend ça. Mais seulement, il n'est pas facile pour comprendre ce livre-là. Si on imprime ce livre-là, ça aussi, moi, je dis, si je t'imprime ce livre-là, gagné en format document-là, imprime-le, il peut venir environ 7-8 pages à 4. 7-8 pages à 4, ce livre-là, Nukhbatul Fikar. Mais seulement, nous pouvons prendre un an pour faire ça. Nous pouvons prendre un an pour faire ça. Et qui fait nous pour prendre un an, quand nous pouvons faire ou pour trouver, Inch'Allah. Peut-être, certaines fois, nous le sommes pour penser le N mot là-bas. Et pour comprendre ça, N mot là-bas, là, pour viser sa base, qui me peut montrer où, là, à ce là dans ce semestre-là, c'est un. Peut-être, je peux penser, mais qui fait un an et demi, nous peut concentrer le ilm al-hadith, science of hadith, mais laisse-nous commencer, Inch'Allah, où vous trouvez sur l'importance. Nous faire niyat et nous faire doigt, Allah Ta'ala, donne-nous tawfiq, nous en prendre ce sujet-là comme abisin. Nous en prendre ni comme abisin. النبي صلى الله عليه
Sahabin fait un travail devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam il n'approuve sa action là. Il n'approuve ça. Rappelle bien Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam jamais pour approuver ou bien il pourrait rester tranquille ou une petite chose qui, hein, qui est haram ou bien qui n'est pas bien faire. Alors du moment Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam il reste tranquille, c'est un hadith taqriri. Ou bien, sifa, une qualité caractéristique d'un habillé karim, sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, que ce lavabo ou bien ce vêtement, c'est pas une petite chose comme ça. Ça, c'est hadith. Nous n'en prenons ce linguistique meaning, linguistically qui veut dire jadid, une petite chose qui est new, et technically veut dire d'après sharia qui veut dire. Pareil, comment on va donner un exemple, swala, hein, le mot swala, linguistically veut dire doua. Hein, doua. Mais quand, par exemple, nous disons qu'italien nous pouvons faire salatul isha, est-ce qu'ici, nous pouvons doua isha? Les isha nous pouvons débouter, nous pouvons faire doua? Non. Ici, mine, nous pouvons faire namaz. Hein, non, comme ça même. Et ça, je ne connais pas, peut-être, ben, nous stade pas encore expliquer ça. Quand est-ce que vous pouvez prendre, qui doit faire, ou bien dans les autres sujets, ben, mot quand pour venir, ben, définition, tout le temps pour une linguistique. Linguistically, qui ça mot là veut dire, et technically, veut dire d'après Sharia, ça mot là qui veut dire. Nous continuons maintenant. Vous comprenez la définition là, ben frère, ben soeur, pour capable de prendre ni par cœur, il est difficile? Non, il n'est pas difficile. Inch'Allah, vous comprenez ni par cœur. Qui bénéfice est là quand nous en prenons et quand nous narrate hadith? Nous guettons un coup. Puisque nous pouvons science of hadith, alors. Non, encore le hadith même qui bénéfice qui vertu est là. Premier hadith qui nous parle de Jami' al-Tirmidhi. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit hadith qui commence à partir là. Nadhara Allahu imra'an sami'a minna shay'an faballaghahu kama sami'a farubba muballaghin awa min sami'. Alors muballaghin pour vin lola la il n'est pas muballaghin là-bas corrige li c'est muballaghin hadrat cheikh connaît qui fait non muballagh ismo maful la nous guettons c'est un typing error mais mon l'explique comme ça même pas corrige li pour connaître qui parfois dans un livre c'est mon copie de Shamila al maktabatu Shamila ça hein, ça texte arabe là mais parfois là bas aussi il y en a erreur là nos connaissances arabes qui est important là et bon nous guettons depuis le commencement Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit qui Allah accorde la joie à un démon à une personne qui finit c'est-à-dire l'intent hadith Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam et sa djimoun là comment l'intent sa hadith là
transmet li narrate sa hadith. Veut dire li pas ensuite parler, li pas retirer rien là-dedans. Comment l'intent hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme ça même li prend sa hadith là, li narrate ça à un autre jimoun. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam peut faire doua pour sa jimoun là qui Allah accorde li un large choix. Veut dire que sa jimoun là reste bien. C'est un grand doua, c'est un grand quelque chose. Alors, ensuite, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Farubba muballaghin. C'est pas muballir. Guette bien, mon frère, mon soeur, m'explique où là. Maintenant, le verbe, je ne peux pas faire ça. Je connais ce pas encore faire. Mais toujours, les bons ont fini comme les. À cause ça, mon frère, il est à temps. Moi, j'ai besoin d'un temps pour ce sujet-là. T'as 30 minutes, pas pour capable. Ballara, le verbe ballara, yuballiru, tablir. Faire tablir. À partir de ça même, nous gagnons le mot mouballir. Ça, on les attendait. Hein? Moubal, mouballirun. Mouballir veut dire un celui qui fait tablir. Mouballir veut dire un celui qui fait tablir. Et disons, moi, je peux faire tablir. Je prends un message, je peux venir vers où, je peux transmettre ce message-là. Donc, moi, c'est mouballir ou c'est mouballar? Moi, c'est mouballir ou c'est mouballar? Là, moi, mon mu'allim, allama yu'allimu. Verbe ça, verbe, simple verbe ça en arabe. C'est ce pour vous en prendre l'inshallah. Qui peut venir peut-être ça semestre la même ou ça travaille ça avec vous, sinon semestre après. Moi, mon mu'allim ici, zot mu'allam. Zot mu'allam. Et bien, mu'allim, c'est lui qui peut teach. Mu'allam, c'est lui qui peut être enseigné. Mais comme ça même, ici, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, peut vous le dire, parfois, ça, c'est lui qui fait gain hadith. Ça veut dire, le hadith finit être transmis à lui. Pas ça, c'est lui qui titane Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, directement là. Ça dimoun qui gagne hadith là, à travers sa sahabi là, parfois, lui comprend hadith là, plus bien que celui qui titane hadith là directement avec Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, on les attendait ça, non? Ça hadith là. Hein? Et là, nous trouvons, comment dire, grandeur de man tabi'in. Man tabi'in, qui était tout man sahaba, ce maqam, ce martaba grand. Mais seulement, pas tout qui est mujtahid parmi les sahaba. Parfois, un sahabi l'intène un hadith. Et il transmet sa hadith là à un tabiri. Mais seulement, tabiri là, il comprend sa hadith là plus bien que sa sahabi là. Et beaucoup d'exemples, et comme ça, quand on lit un livre, vous trouvez, beaucoup d'exemples, et qui ban sahaba, après wafat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, quand je tiens à quitte question, quitte masla, fiqh pour demander, je peux poser sa question là avant tabirin. Tiens à certains tabirin comme ça, qui ban là, je tiens au niveau mujtahid, sahaba, tu peux venir prendre fatwa avec ban tabirin. Beaucoup d'exemples, non? Si vous avez envie de gagner une référence, là, il y a un livre Namaz qui Raza Academy qui est publié. Dans ce livre Namaz là, il y a une référence là-dedans. Dans le livre Namaz qui nous est publié. Il y a là-dedans. Alors c'est ça même qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam peut faire comprendre. Il dit c'est lui qui transmet mon message, ce qu'il entend moi, comme ça même il transmet lui, qui Allah accorde la joie. Il dit mais seulement parfois, ça c'est lui qui peut recevoir, qui pas entend moi directement, lui il est capable de comprendre le hadith là, plus bien que celui qui entend moi directement. Donc ici, il n'est pas capable de mouballir, il est bien mouballar, c'est lui qui gagne ce message là. Vous avez réussi à comprendre un petit guide. Même pas encore faire sa verbe là, sa babe là. Allez, nous continuons. Guettez, parce que nous pas pévin parmi ben celui qui, ce qui est dans le livre, nous lire comme ça. Même non. Côté naïria, nous sommes capables de faire ça naïria là. Nous sommes capables de lire bien. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam sur hadith. Nous pécons concernant facilet hadith là. C'est lui qui engage lui dans apprendre et enseigner hadith. Hadith parait de Jami al-Tirmidhi, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ja awla nasi bi yawm al-qiyama, aktharuhum alayya salatan. Il dit à la personne qui pourrait être plus près avec moi un jour au jugement, c'est celui qui finit envoyer plus beaucoup de roud au mois de dunya.
OK. Et ça, je vous laisse, c'est un jour bien difficile, ça. Et nous tous, nous pouvons dépendre le shafa'at. Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, qui Allah accorde nous ce shafa'at. Alors, ça, je vous laisse, c'est un jour bien difficile. Et celui qui pourrait être plus proche avec Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, là-bas, normal, lui, il n'est pas pour faire face à beaucoup de difficultés. Alors, nous allons envoyer durud, beaucoup durud, grand matin, tantôt, envoyer durud et salam, le Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, ça, hadith, ça, qu'il y a un ulama qui m'explique ça. Là, on va le trouver quand vous étudiez hadith. Vous trouvez parfois, il y a un hadith souvent où t'en lis. Mais c'est moi, où c'est qu'il n'y a pas de comprendre. Ben, ulama présente un point depuis sa hadith, ça, qui où jamais on ne comprend. Et quand ben, ulama présente ce point-là, on dit, ben, ouais. Il est évident, d'après sa hadith, ça, mais moi, ça, même, tu comprends ça. Alors, sa hadith, ça, beaucoup de monde présente ça. Fazil al-Durud, un man qui fait taqrir, tout ça. Là. Mais qu'est-ce qui nous peut en prendre aujourd'hui? Imam Khatib Baghdadi, il dit que sa hadith, là, wa hadhihi manqabatun. Manqabat, vous les attendez, non? Manqabat, il y a un manqabat. Wa hadhihi manqabatun sharifatun yakhtassu biha ruwatul athar wa naqalatuha. Il dit que ce hadith-là, là-dedans, il y a une grande vertu, une grande facilité qui est réservée spécialement pour le narrateur de ban hadith, pour celui qui narrate hadith, pour celui qui transmet hadith, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Qui fait-il? Il dit parce qu'il dit أنه لا يعرف لعصابة من العلماء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يعرف لهذه العصابة نسخا وذكرا. Il dit parce que pour les autres groupes de ban ulama, par exemple, un alim qui est spécialiste de domaine aqida. Alors, lui, il est pour cause Coran, il est pour cause Hadith, il est pour cause parole de ban ulama, il est pour cause un peu tout, lui, en général. On prend fiqh. Fiqh, ban faqih, pour cause Coran, Hadith, et ce qui est mujtahid, il dit qiyas. Mais c'est moi, il dit ban ulama Hadith. Ban ulama Hadith, ben là, tout ce qui se tient pour causer, prend depuis A jusqu'à Z, tout, c'est Hadith, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas pour cause Coran, il n'est pas pour cause c'est pas qiyas, il n'est pas pour cause ijtihad, il n'est pas pour cause ça man affaire. Il y a ben ulama qui est spécialiste de domaine hadith, ben là, je t'envoie plus de roues de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Qui fait? Parce qu'ils ont dans ce sujet, et dans 6 hadiths Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Il y a donc, basant le ça, nous comprenons qu'il y a ben ulama hadith. Ben celui qui transmet hadith, pas barakat hadith. Veut dire à chaque fois, je peux prendre nos Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Gardez depuis le commencement là. Combien de fois on finit prendre nos Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam? Plusieurs fois. Devant les autres sujets, ourdou. Pas pour prendre. Et donc, ben les autres sujets, parce que là-bas, nous avons pour cause ben les autres affaires. Alors, Imam Khatib Baghdadi, il dit que sa fazilata, ça lui réservé à ben ulama hadith. Ce n'est pas une petite affaire, ça, mon frère, mon soeur. Être prêt avec Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, dans les derniers hachr. Ensuite, nous continuons. Imam Khatib Baghdadi, même, de ce livre, Ar-Rihla fi Talab al-Hadith, là-dedans, il écrit. Mais notre traduction en ourdou, bon, pas de traduction en ourdou, là, il y a un texte arabe là. Yazid bin Haroun Lidia qui finjia yaqul li Hammad ibn Zayd finjia avec Imam Hammad ibn Zayd rahimahullah. Imam Hammad ibn Zayd ou pas connu mais c'est un grand maître expert de domaine hadith. Soufyan ibn Uyayna, Soufyan al-Thawri, ça va non là, moi tu dis où la dernière fois, moi péré, où vous restendez, ça va non. C'est comment dire, ben poteau dans le domaine hadith. C'est ben ulama qui, maintenant, ou pas capable de cause hadith sans cause, maintenant, ce tout stade, c'est Hammad ibn Zayd. Ce tout stade, c'est Hammad ibn Zayd. Hammad ibn Zayd, lui trouve dans une chaîne de transmission qui trouve dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daoud, Tirmidhi, Nasa'i. Veut dire, tous avant grand muhaddithine qui est là, Imam Bukhari, Imam Muslim, et tous avant grand muhaddithine, Hammad ibn Zayd lui figure dans nos deux autres bandes oustades. Veut dire, pas oustades directement,
dada oustad, si pas par dada oustad. Vous avez compris qui m'a fait dire là? Par exemple, nous, on apprend avec Karimansou. Karimansou, il apprend avec un oustad. Ça oustad là, il apprend avec un autre oustad. Et ça l'autre oustad là, il apprend avec Allah Hazrat. Mais déjà, d'une façon, mon dada oustad, il m'a dit, mon dada oustad, parmi la dada, il y a Allah Hazrat. Vous avez compris? Mais comme ça même, d'abord, mon hadith, Imam Bukhari, Imam Muslim, parmi ce grand professeur, dada oustad, nous avons Hamad ibn Zaid, rahimahullah. C'était un grand alim. Alors, on a demandé, « Ya Aba Ismail, hal zakar Allahu ta'ala ashab al-hadithi fil Qur'an ?» Et il y avait, « Est-ce qu'Allah fait mention de ban ashab al-hadith, ban gens du hadith, ban dimun, ban ulama qui engagent ceux de hadith ?» Est-ce qu'Allah fait mention de ceux ? Est-ce qu'ils ont fait mentionner dans le Qur'an ? Est-ce qu'il y a une finette mentionnée dans le Coran, ben ashab al-hadith? Alors, Hamad ibn Zayd, rahimahullah, il dit oui. Il dit, alam tasma' ila qawlihi azza wa jal. Il dit, est-ce qu'il n'a pas fini écoute sa parole de Allah Rabbul Alameen? Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi d-din wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim. Un ayat qui trouve dans surah Tawbah, Ayat 122. Vous savez, c'est là, sa signification, c'est ça. Il dit que dans chaque groupe, besoin d'une partie du monde, vous êtes sorti, vous êtes allé en prendre, et quand vous êtes fini en prendre, maintenant vous retournez vers ce groupe, vous dire que vous êtes sorti, et là-bas, vous êtes averti, vous êtes enseigné à ce bon du monde. Ça, Ayat là, il peut dire ça. Qui dans chaque, par exemple, nous prenons dans nos contextes, depuis chaque endroit, un groupe d'enfants, un groupe banjimoun musulmans sorti, parce qu'ils ne sont pas capables de sortir d'un imam Maulana Hazrat, non. Ils ne sont pas capables. Une partie, quelques sorties, en prendre d'une, et ensuite retourner et enseigner d'une à ce banjimoun. Et c'est ça même but Qadri Academy. C'est ça même qui nous vient faire. Et nous, Khouch Nassib, qui nous finit choisi pour nous en prendre et ensuite à transmettre ça à Ban Jimoun, Inch'Allah. Alors là, ça, ayat là, Ban Faqi, Ban Ulama, Fiqh, Ban là, je te servis ça, parce que surtout, il servit le mot liyatafaqahu. Fiqh, il paraît là-dedans, mais seulement Hamad ibn Zayd, il dit que ça, fazilat là, il n'est pas seulement pour Ban Faqi. Il dit, guetté. Dans ça, il y a un peu de sorti, allant prendre d'une et ensuite retourner, enseigner ça à ce djimoun, averti ce djimoun. Il y a un peu de pas conscient, c'est fiqh. Fahada fi kulli man rahala fi talab al-ilmi wal fiqh. Il y a ça, il applique pour ce tout qui sorti pour en prendre ilm et pour lui gagner compréhension dans le din. Wa raja'a bihi ila man wara'aha. Ila man wara'aha. Il retourne pour enseigner. Ban qui les fin quitté alors il y avait déjà tout ce groupe ban jemon li retourne li pas wara ahsa hein wara ahusa fait correction parce qu'il dormir ça et dormir n'est pas capable ha li vin hu ou soit hi. وَرَجَعَ بِهِ إِلَى مَنْ وَرَاءَهُ فَعَلَّمَهُ إِيَّاهُ et il est retourné, il enseigne ban nadin, veut dire ban celui qui en prend hadith aussi, je t'inclus là-dedans. Ensuite, un dernier fazilet et nous pouvons arrêter avec ça. Et nous pouvons le dîner après la lac, t'as l'air qu'on est venu, nous pouvons terminer. Fazilat en prendre hadith. Je ne comprends ça autant là, non? C'est difficile là? Je ne comprends? Non? Hein? Nous cas continuer. C'est pas plus d'allons. Hein? Nous cas continuer. Et un hadith parait de Al-Mu'jamul Awsat. Hadith numéro? Qui numéro? 5846. Nous avons fait un peu là. Al-Mu'jam al-Awsat, c'est une collection hadith par Imam Tabarani. Tabarani, qui est wafat l'année 360 Hijri.
Alors là-dedans, mendonou sanadla en entier là. Ok. Haddathna Muhammad ibn al-Hussein. Mendonou sanadla en entier. Nous qui hadith après là, nous pouvons vers sanadla. Hadith il continue, voyez, il commence à partir là. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه جاء كنفنتن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء اللهم ارحم خلفاءنا ولا فارحم لونبان خلفاء خلفاء نكات خجلي par représentant ici ولا فارحم لونبان خلفاء رحم pitié. Faire raham le nouban khulafa, nouban représentant. Ban sahaba demandait, Qulna ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, wa ma khulafa ukum. Qui s'en a si ouban khulafa? En se man khulafa, Rashidin qui nous connaît, calife. Mais ici, papé min ban la la. Ici, ban sahaba demandait, qui s'en a si ouban khulafa, ouban représentant. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit alladhina ya'tuna min ba'di, ben celui qui pouvine après moi, yarwuna ahadithi wa sunnati, je pour rapporte mon hadith et mon sunna, ça c'est mon ban khulafa, wa yu'allimunaha an-nas, et je pour enseigner ça à ban jimon. Imaginez qui quantité grand fazilat ça. Ou vient parmi les khulafa de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une petite affaire ça. Ou peut rapporter le hadith. C'est là, on va dire là, c'est un où elle présente sa hadith là dans le masjid. Dis moi, tu viens d'Ajosh vite non, sur la jamaat. Il n'est pas difficile pour faire du monde vient d'Ajosh. Parfois, il est bon, mais parfois, on connaît qui fait, qui est arrivé. Josh, d'Ajosh, père dit Hosh. Vin comme on dit, ben Hosh. Alors, je dis, c'est lui qui transmet hadith, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam. Nabi Karim, il fait doua raham pour lui. Raham veut dire rahma. Veste rahmat, c'est lui qui transmet hadith. Très bien. Alors, il est WhatsApp. Le WhatsApp, il forward un hadith. Qui hadith? Il dit, voilà, le prophète india, ma'adallah, qui c'est lui qui informe ce frère, ce passé à musulman concernant Ramadan, Pévini, c'est pas qui. Premier, c'est lui qui est informé. Pas connaît qui facilite, c'est pas du fait l'enfer, c'est pas qui, haram, c'est pas qui. Les diamants transmettent sa hadith, ils finissent parmi les khulafa. Et s'il n'est pas connaît qu'il finissent parmi les mankazab, menteurs, qui méritent du fait l'enfer lui-même. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur hadith mutawatir, c'est lui qui cause menti, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par exprès, qui lui prépare sa place de du fait jahannam. Vous comprenez? Alors. La science hadith est important là, mon frère, mon soeur. La science hadith est important. Si nous avons une science hadith, nous pouvons vérifier ça, pas ce qui nous gagne, nous. Nek forward, je ne peux pas parmi khulafa là, moi, non. La science hadith, là qu'il est important pour une science hadith. Alors, ça c'est hadith là. Je ne comprends hadith là, non. Il y a un petit problème là. Dans ce hadith-là, ce chaîne de transmission, ce sanad, pour introduire un sanad, pour expliquer où sanad qui était ça. Mais toujours là, nous avons un coup. Nous, comment dire, nous venons un peu, comment dire, experts là. Pour 2 minutes, nous venons experts dans le domaine hadith là. Malgré nous ne pas trop connaître, nous venons experts là. Nous avons un coup là. Wahhabi vini. Ya Hazrat, tu ne cites ce hadith-là. Mais dans ce hadith-là, ce chaîne de transmission est un narrateur, un rawi. Qui rawi, je souligne ce nom. Liali ban frère ban soeur, Ahmad ibn Isa ibn Abdillah al-Alawi. Il dit ce narrateur-là, Imam Dar Qutni Finjali Kazab. Imam Ad-Dar Qutni, c'était un grand alim, un grand muhaddith, grand muhaddith. Finjali Kazab, menteur. Ce narrateur-là, il y a un menteur. Alors, quand il y a un menteur, fini là, hadith a tombé. Hazrat, hadith qui ont cité côté mimbar, c'est un hadith fabriqué. Parce que quand de ce chaîne de transmission est un menteur, veut dire hadith ça, c'est un hadith fabriqué. Vous avez compris, non? Normalement, arrive comme ça même.
Et allé là après, j'ai pour montrer un hadith authentique, comment ben là il fait un hadith fabriqué. Alors là, nous répond, nous jagete. Hafiz ibn Hajar Asqalani, qui lui-même est un grand expert de domaine hadith, l'inécrit de Lisanul Mizan, volume 1, page 348. Lisanul Mizan, c'est un livre maintenant qui nous pour référer à ça pour nous concernant ban rawi. Nous pour concernant ban rawi. Alors, Hafiz ibn Hajar, il écrit Ahmad ibn Isa al-Hashimi. La héroïne al-Alawi, ici al-Hashimi, c'est la même personne ça. Correct? Concernant sa narrateur là. Hafiz ibn Hajar, il écrit قال الدار قطني كذاب. Il dit que l'imam Dar Qutni fin dit concernant Ahmad ibn Isa al-Hashimi, c'est un menteur. Je peux bien participer dans la classe, hein, pour exprimer pas mes traductions là-bas. Pour comment dire, pendant qu'il se peut écrire, je serai capable d'aller, Inch'Allah. Là, nous sommes experts, là, non. Le expert, nous travaillons, nous activons. Nous besoin de défendre là parce qu'il nous cite sa hadith dans nos khutbah. Il dit oui, d'accord. Hafiz ibn Hajar, il cite la parole de Ad-Dar Qutni qui sa narrateur là, li kazab, très bien, mais seulement Bahia. Pas fini là même. Tu cites l'Isanul Mizan devant moi. Get un coup de l'Isanul Mizan même après qu'il y en a. Dans sa même lisanul mizan ena après que Hafiz ibn Hajar injanu imam Ad-Dar Qutni inja sa narrateur la menteur, Hafiz ibn Hajar li jano qultu. Hafiz ibn Hajar li jano qultu. Moi mojia. Wa hadha batilun. Hafiz ibn Hajar pe refit imam Ad-Dar Qutni la. Hafiz ibn Hajar li pe refit Imam Dar Qutni, il dit non, ce qui Imam Dar Qutni finjala li batil li n'a pas bon. Vous comprenez? Mais ça, en ban ulama, il y a ça. Oui, beaucoup après. Et Imam Hafiz ibn Hajar Asqalani, lui-même, il est un expert de domaine hadith. Et Imam Dar Qutni, lui, d'après son jugement, bien avant, l'étudiant qui s'en a raté à la faible. Parce que c'est bon, c'est le route de l'année que l'imam Dar Qutni a fait ce wafat. Fait ça, tu es au moins là. Tout ça, fait mon pas dire non. Fait un petit au moins. Google, vite, gagne ça. Imam Dar Qutni, il y a un sunan à Dar Qutni. Vous attendez ce livre-là. Ce sunan, c'est au bout de l'année. Inch'Allah, au bout de l'année. Imam Dar Qutni l'invite bien avant lui. Lui, d'après ce jugement qu'il a trouvé, l'India s'en narrateur à la Kazab. Hafiz ibn Hajar Asqalani, rahimahullah, l'invite bien après 852 Hijri. Lui, il ramasse tout ban ulama parce qu'il a science hadith, nous payons seulement Dar Qutni. Nous avons beaucoup ban les autres ulama. Vous pouvez prendre l'Isanul Mizan, comment il était là-bas, mon présent devant vous. Mais sinon, Hafiz ibn Hajar, il présente parole devant les autres ulama, comme Imam ibn Hibban. Déjà, Imam ibn Hibban fin mentionne sa narrateur là dans son As-Siqat. Il y a un livre, quand il explique, il présente un narrateur qui digne de confiance. Vous comprenez? Bien, Hafiz ibn Hajar, il vient après, il dit non, Ad-Dar Qutni fait erreur quand il dit son narrateur là, menteur, et Hafiz ibn Hajar, il donne ce bon preuve, ce bon argument là. Bien, là, dans une situation comme ça, qui s'en a ce parole, nous pouvons prendre en considération. C'est Hafiz ibn Hajar. Ça ou check lien coup quand pour check sur l'année ou pas Dar Qutni. Rod ibn Hibban aussi. Et Imam ibn Hibban, bon, laissez un côté. C'était un grand alim sunna jamaat ça. Hein? Imam ibn Hibban, c'est il a aujourd'hui ou habitué pour un calot aujourd'hui. Gedali Vakida concernant là, beaucoup de place nous mentionner. Imam ibn Hibban. Inch'Allah, sous Kayamat nous trouve. Akida concernant Allah. Kattar Ash'ari. Akida concernant Tabarruk avec Kabr de Manaouli Allah, Barelui.
Mais comment nous-mêmes, par lui manger dans le sens comment non, comment nous-mêmes. Nek check ça encore, fais ça pour moi là. Adar putni kanga sofar. Mais Imam Ibn Hibban bin avant Hafiz Ibn Hajar, beaucoup, environ 500 années avant. Pardon? Non, il n'est pas un menteur. Mais Adar Putni, l'inféré à l'injali menteur. Vous comprenez? L'injali menteur, oui, mais l'inféré à là. C'est ça même qui va nous relâmer qu'il vient après, il réfute lui. Hafiz ibn Hajar, il réfute lui. Oui, il finit faire ce homework là. Vous comprenez? Mais Aster Gete, si vous m'avez dit, nous pas de science of hadith. On cite ça hadith là. Et un wahhabi, c'est pas même un sunnah jamaat, pas qu'un yu bon. Les nek prend ça, les met ça devant vous, les diaou, ben voilà, imam Dar Qutni, il y a ça hadith là. Dans ce chaîne de transmission, il y a un narrateur qui kazab. On finit en place là-haut. Mais si vous connaissez science of hadith, vous prenez ça même l'isan ou le misan, vous mettez devant lui, vous dites non, ben qu'est-ce un coup après qu'il y en a Hafiz ibn Hajar. Et quand Hafiz ibn Hajar, même ban ulama avant 300-400 hijri, je ne dis quelque chose. Comment dire, nous accepter nous. Mais Hafiz ibn Hajar, pas penser à cause de 1800 hijri, il n'a pas de sa parole. Hein. Parfois, comment dire, sa parole, il pèse plus lourd que tout ce qu'il y a avant là. À cause de ça, nous disons, le meilleur commentaire sur Sahih Bukhari, c'est Fathul le Bari. Bon. Je ne comprends un petit peu là. Je ne comprends un petit peu. L'importance science hadith, c'est intéressant ou ça, c'est boring. Il est intéressant, il est bien, bien intéressant. Mon sujet préféré, ça. Je vais essayer de faire livrer nous sur le sujet préféré. Parce que, tu allais nous comprendre, il est fort qu'il faille pour apprendre ça. Fort qu'il faille. Là, quand nous étions là dans Maurice, ben, si un des bons alim qui nous est dans nos stades, Allah donne. Donne barakat, mais seulement, c'est comment dire, arrive l'air qu'ils ont allé, ben, nous trouvons une gounahgar là. Hein. Si nous allons nous stades, allez, nous trouvons une gounahgar. Parce que, un sujet qui néglige. Nous pouvons continuer à aller, Inch'Allah, 9h-15 nous zouan. Hein? 8h10. Oui. Oui, oui. Hadith fausse, ça n'a pas existé, ça, hadith, ça. Azan. Tilawat Quran mukhopina la dom. Mukhina si kursi le azan. C'est une parole qui a la Hadrat in mentionné ça. Par exemple, d'Abahari Sharia. Ou bien, c'est qu'un coup à la Hadrat Kotin Ponsa. Mais le président de Bahari Sharia ne peut pas croire qu'il attribue ça à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam là-bas. Vous connaissez certaines choses, Banna, Banon Lama présentait le Tajruba. Il se trouvait que quand un dimoun causait les Adamas, les Azan, alors derrière les arrive un moment difficile. Il est possible que Tajruba là, vrai, mais ne pas attribuer ça à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Question? Oui?